الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le remercions pour ses nombreux bienfaits. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, le plus honorable des envoyés, ainsi que ses frères prophètes et messagers. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم آمين. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. وبعد فإن حديثنا اليوم حول سيرة رسول من رسل رب العالمين ونبي عظيم من جملة المصطفين هو أول البشر وأبوهم أجمعين آدم عليه السلام. Nous allons voir aujourd'hui une part de la conduite et de la vie d'un des messagers du Seigneur des mondes, un prophète éminent parmi les prophètes élus. Il est le premier des humains et le père de tous les humains. Il s'agit de notre maître Adam عليه السلام. خلقه الله من صلصال من طين عاش عليه السلام ألفا من السنين في الجنة منهم 130 وفي الأرض 870. Allah l'a créé de terre glaise. Adam a vécu 1000 années. Au paradis, il en a passé 130 et sur terre 870. من هو أول البشر؟ من هو أبوهم؟ هو آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. Qui est donc le premier des humains? Qui est le premier des humains et le père de tous les humains? C'est Adam عليه السلام. وقد أجمع المسلمون على أن أول الأنبياء آدم عليه السلام قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Les musulmans ont été unanimes à dire que le premier des prophètes et Adam alayhi salam. Dans une ayah du Coran, nous apprenons que Allah a élu Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et la famille de Imran par rapport au reste des mondes. Al-istifa dhukira fi wasf al-anbiya wa ha'ula'i allatheena dhukiru annahum as-sufu أي اصطفاهم الله كلهم أنبياء عليهم السلام. Le mot اصطفى a été mentionné pour décrire les prophètes.
Et tous ceux qui ont été mentionnés dans cette ayah comme ayant été élus, donc du mot istafa, ce sont tous des prophètes. Inna Allah istafa Adam. هذا الاصطفاء دليل النبوة والرسالة فآدم عليه السلام هو أول البشر وأول الأنبياء. Dans cette aya, nous apprenons que Allah istafa Adam. Et l'istifa ici, c'est une preuve que Adam est prophète et messager. Il est donc le premier des humains et le premier des prophètes. لولا أن الله تبارك وتعالى شاء له النبوة ما قال في القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة معناه حاكم يحكم بالشرع وليس معناه كان قبل آدم بشر. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas voulu pour Adam le statut de prophète, il n'aurait pas dit ce qui nous est parvenu dans le Coran, à savoir que Allah a dit aux anges qu'il fera que sur terre il y a quelqu'un qui va juger selon la loi de Allah. Mais cette ayah ne veut pas dire qu'avant Adam, il y avait eu d'autres humains. فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً من أصرح الآيات التي تدل على نبوة آدم عليه السلام. La parole de Allah dans le Coran, que Allah a dit aux anges qu'il fera que sur terre il y a un être qui va appliquer la loi de Allah, cette ayah fait partie des plus explicites pour nous indiquer que Adam alayhi salam était bien prophète. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa anwa' al-alami thumma ja'ala akhir al-awalim الإنسان آدم عليه السلام. الله تبارك وتعالى a créé différentes sortes de créatures et il a fait que la dernière sorte ou espèce de créature à entrer en existence ce soit l'être humain et donc آدم عليه السلام. جعل الله آخر العالم آدم عليه السلام وآدم أفضل ممن خلقه الله تعالى قبله. الله a fait que la dernière espèce parmi les créatures à entrer en existence ce soit l'espèce humaine. Et Adam est meilleur que tous ceux que Allah a créés avant lui. الملائكة خلقت قبله. وخلق الجان قبله حتى البهائم والطيور والحشرات والأشجار كل ذلك خلق قبل آدم عليه السلام. Les anges ont été créés avant Adam. Les djinns ont été créés avant Adam. Même les animaux, les oiseaux, les insectes et les arbres, tout cela a été créé avant Adam. Adam alayhi salam jaa akhir al-khalq. Ja'alahu Allah ta'ala akhir al-khalq. Adam est donc le dernier des créatures. Allah a fait qu'il fut le dernier des créatures. Fallahu khatama أنواع العالم بهذا النوع الإنساني آدم عليه السلام لأنه أشرف العوالم. الله a fait que la dernière espèce des créatures à entrer en existence soit l'espèce humaine.
Et Adam était le premier de l'espèce humaine. L'espèce humaine est la plus honorable de toutes les autres créatures. ثم أنزل الله الوحي على آدم عليه السلام فكان نبيا رسولا. Allah a fait descendre la révélation à Adam, qui était donc un prophète et un messager. لولا أن آدم عليه السلام نبي رسول يأتيه الوحي فيعلم ذريته ما ينفعهم ما يصلحهم في معاشهم وآخرتهم لكان الناس لكان البشر كالبهائم. Si Adam n'avait pas été prophète et messager, si Adam ne recevait pas la révélation et n'enseignait pas à sa descendance ce qui leur était utile des choses du bas monde, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, les gens auraient été comme des animaux. من يعلمهم لولا أن آدم عليه السلام علمهم أصول المعيشة. Qui aurait enseigné aux humains si ce n'était Adam qui leur avait enseigné les moyens de subsistance? الله علمه بالوحي كيف يستخرج الذهب وكيف تستخرج الفضة ثم كيف يعمل منها عملة فينتفع الناس بها وغير ذلك. Allah a enseigné à Adam par le moyen de la révélation, al-wahy. Il lui a enseigné comment extraire les minerais d'or et d'argent métal, puis comment en fabriquer des pièces afin que les gens puissent en profiter. Et il lui a enseigné d'autres choses encore. كما أنزل الله له من الجنة أشياء ثم هو صار يعلمهم كيف يزرع القمح وكيف يحصد وكيف يخبز منه إلى أشباه ذلك من أصول المعيشة هو آدم عليه السلام علمهم. الله a fait descendre à Adam du paradis plusieurs choses. Et Adam, alayhi salam, a enseigné à sa descendance comment semer le blé, comment le récolter, comment en fabriquer du pain, et d'autres choses de cet ordre pour leur vie ici-bas. C'est Adam, alayhi salam, qui leur a tout enseigné. وقد ورد في الأثر أن آدم عليه السلام عاش في الجنة 130 عاما ثم نزل إلى الأرض فعاش بقية الألف في الأرض. Il nous a été rapporté que Adam عليه السلام a passé 130 années de sa vie au paradis. Ensuite, il est descendu sur terre et il a terminé les 1000 années sur terre. فآدم عليه السلام بعدما نزل من الجنة إلى الأرض نزل عليه الوحي فكان نبيا رسولا. آدم عليه السلام après être descendu du paradis il a reçu la révélation, il est ainsi devenu un prophète et un messager. فأولاده كلهم مسلمون هو علمهم الإسلام عليه السلام. Tous les enfants de Adam étaient musulmans. C'est Adam عليه السلام qui leur a enseigné l'islam. كان عليهم صلاة واحدة. ما كان عليهم خمس صلوات. Ils devaient accomplir à l'époque une seule prière. Ils n'avaient pas cinq prières quotidienne obligatoire à leur époque. Allah a'lamahum ma hiya as-salatu allati kanat fardan 'alayhim. Hiya kanat ihda as-salawat al-khams. C'est Allah qui leur a fait savoir quelle était la prière qu'ils devaient accomplir.
C'était l'une des cinq prières que nous connaissons aujourd'hui. كل الأنبياء عليهم السلام كان عليهم وقت من هذه الأوقات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. Tous les prophètes devaient accomplir une de ces cinq prières que nous connaissons aujourd'hui, الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. لكن الله تعالى جمع هذه الأوقات الخمس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Mais Allah Ta'ala a fait que toutes ces cinq prières soient obligatoires pour la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم. من آدم عليه السلام إلى موسى الله تبارك وتعالى فرض عليهم صلاة في اليوم والليلة. Depuis Adam عليه السلام jusqu'au prophète Moussa, Moïse عليه السلام, Allah a ordonné aux gens d'accomplir une seule prière quotidienne. موسى عليه السلام ومن بعده من الأنبياء لقد فرض الله عليهم صلاتين وقتين من موسى عليه السلام إلى عيسى المسيح عليه السلام. À partir de l'époque de notre maître Moussa et à l'époque des prophètes qui sont venus après lui, Allah a ordonné aux gens d'accomplir deux prières quotidiennes, c'est-à-dire depuis Moussa jusqu'à Isa al-Masih. Moussa alayhi salam wa min ba'dih Isa ibn Maryam alayhi salam kana alayhi salatani ila an ja'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre Moussa alayhi salam et Isa le fils de Maryam alayhi salam, il y avait deux prières quotidiennes obligatoires. Et il en fut ainsi jusqu'à ce que soit venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas monde et un bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-warith ar-rashid as-sabur alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.